dommage qu'ils ont fermé du bureau. Bah, c'est clair, c'est pour eux, en plus, ils ont fermé du bureau. Bien sûr. En route pour le festival. C'est la voie 30, ok, entre la voie 5 et la voie... Enfin, la voie 3, la voie répète nous ça. Alors, il y a une voie 30, une voie 31, une voie 32, une voie 33. Mais c'est pas ce qu'on appelle le quai nord, ça. La voie 31, 32, 33. Et tout au début, la voie 30 est située entre la voie 3 et la voie 4. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on appelle le quai nord, ça. Oui, ils ont oublié. Ah, ça prend autre chose, ça. Avec une flèche qui n'est pas forcément visible. Et donc là, tu as voie 4, 5. Voilà. Ah, tu veux pas faire, tu veux pas faire de sport? Tu ne veux pas faire de sport? Oh non, je couille. Philippe, il grouille, il fait du sport. Il est pressé. Celui-là au moins c'est bon hein. Ah, là, la banquette des stars. Celle-là ah. Ou là où il y a les caps, non? Non, alors que la banquette. Nous, toi ouais. Une limousine qui vient nous chercher quoi. Voilà. Oui, on te voit très bien, ouais. Royal. Ouais, on est les stars. Ségolène. Ah, il nous manque la petite poupette bon, avec du champomy prendre. Faudra pas oublier, c'est là qu'il faut composter au retour. Oui, oui, la dernière fois, vous l'avez dit. Parce que de l'autre côté, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas, ouais. Vous économisez le composteur. Ah, là, il n'y a pas de faire le tour. Voilà, il n'y a pas de composteur de l'autre côté. Ouais. L'obliterateur, ils ont dû mettre d'une manière pour les voir de l'autre côté. Les gens qui ont des raisons de raison de traverser pour venir composter. Ça va pour commencer. Ouais, c'est joli, ça. Ouais. Ah, ouais, il y a un panneau là. Salon du livre, des tireurs. Ah, d'accord, oui. La quoi, il y a deux ans ça a changé, tu disais quoi? La Volkswagen n'était pas là, la Crux. Ah ouais, ils ont changé de voiture. Un petit changement. Ah mais en fait c'est parce qu'il y a une grande diversité. C'est ça, c'était les BD à part. Ouais. Et il tirait de l'autre côté. Mmh. Oh, c'est le monument aux morts, c'est marqué en italien. À mes morts. C'est peut-être un hommage. Bonjour. Donc il y a une salle là. Si ça vous a plu, le petit concert apéritif, il y a un plateau à la sortie pour les musiciens, si vous voulez laisser quelque chose. Sinon... Ouais.
Et la pâtisserie au dessert, et saucisse, ou salade, ou tout, enfin tout ce qu'elle a dit, on va voir. On peut choisir. Ouais, je sais pas. Allez, bon appétit, hein. Bon appétit. Bon appétit à vous. Bon appétit. Infatigable, inlassable, infatigable, dessinable. On devrait te rebaptiser dessinator.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as encore fait là? Ah, c'est juste un ridicule là qui... Il est bizarre hein. Il explique des trucs. Et il vante le bas. Heureusement d'ailleurs. La maison, ça a changé de vie. Et ça c'est? Ça c'est graphique hein, ça. Ah c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Non, non, c'est pas le bon. Ouais, on se connaît un peu. Tu l'as déjà fait ou pas? Non, je vais le faire. C'est quoi ça? C'est rien. C'était un délire. Ah mais tu l'as fait deux fois. Je crois que c'était au restaurant ça, oui, parce qu'il y avait un gag sur le... D'accord. Oh, je prends ça, je prends les deux pages. Oh, il va être content. Attends, qu'est-ce que tu as fait comme nouveauté chouette là? En nouveauté, bon ça je sais pas si tu l'as déjà vu. Truc pour les enfants. Le Maïdi, c'est un livre jeunesse. Oui. Et ça, la bête. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as pas chômé ces derniers temps? Ah bah pas vraiment. Non. T'as sorti donc trois albums en fait en... Alors j'ai sorti aussi celui-là en novembre. Là. Avec l'histoire du Mont-Saint-Odile. Avec la couverture controversée. Exactement. Ouais. Pas controversée longtemps, ça. Ah voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas controversé longtemps, ça aurait été dommage. Voilà, ils l'ont bouclé. Fais gaffe, ça va finir sur Facebook. Hein? Ouais, je suis un petit... Ça va finir sur Facebook. C'est pas mal. Ils sont amis avec moi. Merci. Moi, j'ai bien fait venir. J'ai réussi à avoir des renseignements sur ma famille. Pardon? Des renseignements sur ma famille. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ma grand-mère. Salut. Elle est née à Détuis. Mais bon... Elle était morte depuis longtemps, quand je suis née. Ouais. Mon père m'avait montré une fois, il y a 50 ans, et j'ai vu très souvent. Et puis, il y a des messieurs qui ont pu me dire exactement. Et en même temps, moi, je leur ai montré que dans leur livre sur les tuilettes, il y avait une photo de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et du même coup, j'ai découvert dans le même bouquin une photo de la façade de l'entreprise de mon arrière-grand-père, qui était peintre, qui avait quelques mots sur lui. Là, ce matin, ils m'ont apporté des extraits d'archives avec la liste de la famille qui habitait là.
c'est un bel outil pour Pascal ça, aussi. C'est à chaque fois il se fait chier à aller chercher un gobelet pour mettre de l'eau. Tout à fait. C'est pratique. C'est pratique, quoi. Ouais, j'ai hâte de descendre, je vais pas pouvoir prendre tout le... J'ai à 13 minutes quand même. C'est énorme. Énorme. Il tient bien dans l'appareil quand même. Là, je vais arrêter là pour la vidéo, je prendrai la photo après du dessin final. Je pense que on a bien vu quand même. Ouais, c'est bon comme ça. Hein. Ouais. Comme ça sent pour nous. Ouais, puis on voit la tête du personnage. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt mettre par vue par-dessus, comme ça on verrait mieux, parce qu'on est sous la main qui coiffe, non? Bah tu peux bouger tout le temps que tu qui filme. Hein. Peut-être plutôt. Ouais. Plutôt comme ça. Ouais. C'est un drone. Voilà. C'est un drone. Le nouveau le drone espionnage, je crois. Comme ça, on voit mieux quand on voit mieux là. Ouais, c'est mieux là, fait comme ça. Ouais, c'est mieux, fais l'amour à l'objectif, dérange-toi, enlève ta chemise. Ouais. Fais bosser, hein, du coup. Dès que t'en as marre, tu le dis, hein, on peut, après on peut couper. Non, mais comme pas... ça, c'est pour tes archives. Hein. Comme ça, on voit mieux là, tu passes avec l'encre maintenant. Hein. Les écrivains, c'est des spécificités d'aimer être épuisé. Oui, hein, c'est vrai. Oui. Leur ligne. Après je vais mettre quelques détails encore, mais c'est bon, si tu veux on peut arrêter là et, ouais. Et après je prendrai la photo du final. La galerie des couleurs, il y a marqué. La galerie des couleurs. Unique au monde. Ah, ça c'est pas mal. Petite bulle qui monte. Non, ça va.
Apparemment, cette fois-ci, il n'y aura pas de trains qui vont arriver en pleine face. Ah, toi aussi. Oui, c'est bizarre, la marche va être un tout petit peu plus haute que les autres. Ah oui, toi, t'avais composté, au fait. Ouais, j'avais composté après toi. Ah, pas du tout, ouais. Le premier coup ça n'a pas marché, j'ai fait le deuxième coup. Tu vois qu'on est pas là. La cigogne, salut, elle nous voit de nouveau. Elle nous voit. Ah oui, elle est là-bas. Je vais voir si avec le zoom on voit quelque chose. Ouais, on verra rien, mais bon. On devine qu'elle est là-bas. Reculons. Oh, on pique quelque chose. Oh, ça va, on est assez loin là quand même. Les sabots me foutent la trouille, enfin m'impressionner. Ouais. Et là, on entend le bruit sur les rails. Hein. Tu vois, il n'y a pas intérêt à trop s'approcher hein, quand ça fait ça. Pinaise. On filmait. Je sais que la perspective est pas mal. Et là les trucs qui vont se fermer là. Ouais ouais, je sais, on le voit. Non, on voit le train déjà. Oui oui. Je l'avais déjà avant, on voyait juste un phare. Enfin ouais, ça faisait l'impression d'un phare. Soleil et tout, ça fait trop classe. Quoi, putain, pour monter Prochain arrêt, Wilvisheim. Et bah tu vois, c'est le même genre de place qu'on avait l'autre fois en rentrant.